Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo tuto aujourd'hui qui va nous permettre d'apprendre à utiliser la fonction saisir. Cette fonction va nous permettre de déterminer une date entre une date de début et un nombre de jours travaillés. Du coup, dans cet exemple, on a des prestataires qui ont leur date de début et la durée et le nombre de jours qu'ils ont travaillé. Et nous, ce qu'on souhaite avoir, c'est la date de fin de leur, disons, leur contrat ou le dernier jour qu'ils ont travaillé. Du coup, ce que je fais, je me mets ici égale série ouvrée. Il faut savoir que dans cette fonction, on a trois arguments, dont les deux premiers qui sont obligatoires et le dernier qui est facultatif. Les jours fériés, ils sont facultatifs. Et du coup, si on a des jours fériés, on met le troisième argument, sinon il n'y a pas besoin de le mettre. Ma date de départ, du coup, la date de départ sera la date de début ici. La durée en jours. Puisque j'ai pas de jour férié, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur entrée. Et là, il me dit que pour Michel, le dernier jour en fait qu'elle a travaillé, c'est le 9 août 2021. Du coup, je glisse ma formule pour avoir les autres informations pour les autres prestataires. C'est le tout pour cette fonction aujourd'hui. On se voit dans une prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle fonction.